et 2, et 3, et 4, et... Bonjour toutes les babéliennes et tous les babéliens. Voilà, cette vidéo, c'est pour vous proposer un petit exercice. Donc, vous me connaissez bien, donc je suis Flavio, je m'occupe de l'orchestre de Babel. Et ce que je vous propose, c'est un rythme des percussions corporelles qui sera peut-être fait par tout le monde. Donc, pour ça, cette vidéo, pour vous montrer pas à pas comment ça marche. Okay? Et pour commencer, voilà, j'ai divisé ce rythme en trois sons, en trois mouvements. En fait, la percussion corporelle essaie d'imiter des instruments de percussion existants, hein, ou la batterie, ou un ensemble de percussions. Donc, on travaille souvent avec les fréquences, donc les graves, boum, qu'on va faire ici, et qu'on va appeler des toum. Les sons médiums, on va essayer de les faire ici, qu'on va appeler des ta. Et un son plus aigu, qu'on va appeler des ts. Ok, donc ce que je vous propose, c'est d'abord apprendre à chanter le rythme et après on l'applique en chantant sur le corps et puis on oublie les chants et on fait juste sur le corps. Ok, donc je vais juste vous montrer le rythme entier. Ok, il y a la partie A et la partie B. Je vais vous montrer la partie A et puis je vais décortiquer chaque mouvement. Ça va? Donc le rythme A, elle est sur. Tum ta 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 ts ta ta tum tum ta 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 ts tum ta 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 ts ta ta tum tum ta 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 ts. Ok, n'ayez pas peur, on va le faire doucement maintenant. Donc on va commencer par la main droite, hein? Comme ça, voilà, pourquoi droite et pas gauche? Juste une décision comme ça aléatoire pour qu'on puisse tous commencer par la même main. Ok, donc main droite. Premier mouvement, c'est un toum. Donc toum, frappez pas trop fort, le but c'est pas de se faire mal, faut juste avoir un certain son. Ok? Donc c'est toum. Et puis, comme on commence ici avec la main droite, on suit les mouvements avec la main gauche. Donc le ta-ta, on va commencer par la main gauche. Et puis c'est ta-ta-ta. Gauche, droite, gauche. Donc, toum, ta-ta. Okay? Et puis, que ça, on fait un ts. C'est avec la main droite. Ts, on claque les doigts. Okay? Donc, c'est tum, ta, 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 ts. Donc, ça, c'est la première partie du rythme A. Okay? On va faire ça en boucle. Okay? Tum, ta, 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 ts. Tum, ta, ta, ta. Tum, ta, 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 ts. Tum, ta, 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 ts. Bon, facile, hein? Alors, après ce premier ts qu'on a fait avec la main droite, on revient au ta avec la main gauche. Donc, ta, ta. Juste ça. Donc, c'est ts, ta, ta. Ok? Donc, jusque-là, c'est tum, ta, ta, ta. Ta, ta. Ok? On va refaire. 3 et 4. Et tum, ta, 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 ts, ta, ta. Ok? Bien sûr, ce n'est pas encore fini. Après cet ta-ta, on refait deux tum. Mais comme on a fait gauche-droite, le premier tum, on va le faire avec la main gauche. C'est la main libre. Ok? Donc, tum, tum. Ok, donc ça va faire comme ça. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum. Donc les mouvements, on essaye d'être les plus logiques possibles, ne pas répéter les mains parce que sinon on va s'en mêler. Ok, donc toujours penser que si on a fini un mouvement avec une main, on va commencer l'autre mouvement avec l'autre main. Ok, donc je vais faire jusque là. 3 et 4 et tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum. Ok? Et pour finir les mouvements,
Comment on va faire? Tum-tum. On a fini les mouvements avec la main droite. On va faire le ta avec la main gauche. Donc, ta-ta-ta. OK? Ta-ta-ta. Et on va finir avec un ts avec la main droite. OK? Donc, les mouvements complets est comme ça. Tum-ta. Ici, vous avez la partie A du rythme, ok? Donc, juste pour information, ce rythme-là, on va le faire en marchant, ok? Et en chantant le refrain d'une chanson, d'une très belle chanson des années 90, Seven Seconds, qui a été chantée par Youssou N'Dour et Néné Cherry. Donc, vous pouvez aller chercher sur YouTube. Donc, on va juste chanter le refrain. Pas tous les morceaux, ok? Mais pour l'instant, occupez-vous des mouvements, de la percussion corporelle. Donc cette partie A, je vais vous la refaire 4 fois en très lentement et puis je vais vous faire à la vitesse dont je voudrais arriver au bout de ces mois d'entraînement. Donc je vais compter 4 pour donner la vitesse. 1, et 2, et 3, et 4, et tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts, tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts, tum, ta, 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 tum, tum, ta, 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 ts. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts. Comme vous aviez pu remarquer, entre la fin d'un rythme et le début d'un autre, il y a un temps mort. Ok? Ce temps mort, ce silence, est très important, on doit le respecter. Sinon, on mange un temps dans la mesure. Ok? Ce rythme, il est construit en 2 mesures des 4 temps. Donc, en 8 temps. Ou, le 4e temps de la 2e mesure, on ne fait rien, on fait un silence. Excusez-moi si ça paraît un peu du chinois pour vous, mais je vais vous montrer et ça sera plus clair. Ok? Donc, c'est, si je compte jusqu'à 4, c'est 2 fois 4 le rythme, ok? Donc, c'est 1 et 2 et 3 et 4 et tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts, silence, tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts, silence. Donc, le 8e temps, c'est un silence, mais il existe quand même. Donc on doit le tenir en compte, ce 8e temps, pour rester dans la bonne mesure. Ce rythme-là, vous pouvez faire aussi, si vous vous sentez à l'aise, avec un balancement qui va marquer la pulsation du rythme. Donc, il va marquer chaque temps. 1 et 2 et 3 et 4 et tum, ta, ta, ta. Je vais faire ça un peu plus vite maintenant. Ok? 1 et 2 et 3 et 4 et tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts. Pause. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts. Pause. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts. Pause. La première partie du rythme B est exactement la même que la première partie du rythme A. Ok? Donc c'est tum, ta, 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 ts. Ça, ça ne change pas. Ok? Donc c'est tum, ta, 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 ts. Pareil, ok?
le rythme A. Ok? Après, ce qui va se passer, c'est qu'après ce premier ts, on va faire ta ta, ça c'est pareil aussi, et puis tum ta ta tum ta ts. N'ayez pas peur, je vais expliquer ça petit à petit. Ok? Donc, on a fait le début, que c'est pareil que le rythme B, que le rythme A. Donc, c'est tum, ta, 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 ts. Ok? Ça, c'est pareil. Après ce ts, on fait ta, ta. Donc, comme on a fait, je répète encore une fois, comme on a fait le ts avec la main droite, on commence le ta avec la main gauche. Donc, c'est ta, ta. Okay? Donc c'est tum ta 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 ts, ta ta. Après cet ta qu'on a fini avec la main droite, on fait un tum avec la main gauche, mais seulement un. Ok, donc c'est tum. Et ma main droite est déjà prête pour faire un ta. Donc ta et ta. Ok, donc je fais jusque là tum. Ta, 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 ts, ta, ta, tum, ta, ta. Ok? Encore une fois jusque-là. N'oubliez pas que jusqu'au premier ts, c'est la même chose que le rythme A. Ok? Donc c'est tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, ta, ta. Ok? Là, on a fini cette série d'états avec la main gauche. Donc, on va faire un tum avec la main droite. Ok? Donc, ça va être comme ça. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, ta, ta, tum. Ok? Et après ce tum, on fait un ta avec la main gauche. Ta. Et pour finir, un ts avec la main droite. Ok? Donc, je vais faire ça lentement maintenant. Comme ça, vous pouvez faire avec moi. Donc, je compte jusqu'à 4 et vous essayez de me suivre. 1 et 2 et 3 et 4. Et tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ts. Pause. Tum, ta. Ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ts. Pause. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ts. Pause. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ts. Tum, ta, ta, ta. Ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts. Pause. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ts. Pause. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts. Pause. Tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ts. Donc là, je vais vous jouer les deux rythmes, une à la suite de l'autre. Et en même temps, je vais faire les balancements. Okay? La pulsation avec mes pieds. 1 et 2 et 3 et 4 et tum, ta, 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 ts, ta, ta, tum, tum, ta, 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 ts. Pause. Tum. Chanter, comme ça vous avez aussi une idée du son sans le chant. 1 et 2 et 3 et 4 et
pause. Donc voilà, à vous de jouer. N'ayez pas peur. Comme vous avez pu remarquer, le rythme n'est pas si compliqué. Si vous suivez l'entraînement étape par étape, ça veut dire d'abord chanter, après chanter et jouer lentement, et après ne plus chanter et juste jouer, vous allez voir. En quelques semaines, vous l'avez. Ok? Bon courage à vous et j'espère vous revoir bientôt pour la continuation de ce beau projet qui est le Festival Bruxelles-Babel. Ciao, ciao!